Ceci n'est pas une analyse. Ceci est mon ressenti à chaud du contenu auquel je réagis. Salut YouTube, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un featuring entre Coelho, le candidat de Nouvelle École saison 2 qui est arrivé en deuxième place, donc seconde place quoi, et Thuery qui, à mon avis, c'est la crème de la crème du rap FR en ce moment. Franchement, j'ai rarement entendu mieux durant les deux dernières années. Si vous n'avez pas encore écouté Thuery, allez-y. Il a balancé deux EP en deux ans, je crois, ou trois ans, je sais plus. Mais en tous les cas, c'est des dingueries. Donc, Bleu Gospel et Papillon Monarque, auxquels j'ai réagi exclusivement sur Patreon pour les valider. Quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je savais pas en fait que Thuery et Coelho se connaissaient et donc ils ont produit une chanson qui se nomme Mes névroses. Dès que j'ai vu ça, en fait, c'est j'étais en train de regarder une entrevue de Thuery et ils ont mentionné ce featuring et là je me suis dit bro, faut que j'y réagisse, man. C'était une entrevue sur la chaîne Camino, Camino TV ou un truc comme ça. Et c'était l'une des meilleures entrevues que j'ai eu l'honneur en fait de regarder sur YouTube. Une des meilleures entrevues genre d'artistes rap quoi, FR quoi. C'était vraiment très très stylé. Et je pense vraiment que ce son va être lourd parce que ben, Coelho et Thuery sont deux artistes, deux rappeurs français très très sérieux. Voilà, donc je pense que ça sera une bonne collaboration et je voulais la découvrir avec vous. Mais avant de commencer bien évidemment, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo car ça m'aide beaucoup pour, avec le référencement en fait. Et ben, vous pouvez également me follow sur Instagram et Music Game News car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Si vous n'envoyez pas de lien et que vous me suggérez quelque chose, eh ben, je répondrai même pas. Ok? Capiche? Et bien sûr, j'aimerais remercier les validés pour leur incroyable soutien sur Patreon. Merci de rémunérer mon travail et mon temps. Merci pour votre fidélité. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Mezwed Records. Je me demande quand est-ce qu'ils ont produit ce son. Avant Nouvelle École ou après? C'est cool, mais il faut que je m'aille. Sur ma vie, mon gosse s'en bat les couilles que je fasse des top lines. Je suis devenu agoraphobe, ça s'est vu lors des grosses dates. On me dit... Yo, en fait, Thuery mentionne souvent son enfant en fait dans sa musique, mais également dans ses entrevues. Donc je me demande sincèrement si le gosse qu'on a vu là, c'est son fils. Il est trop mignon en tous les cas. Cette année c'est la bonne, mais moi je trouve qu'elle a les fesses plates. Oui. J'étais qu'un petit con devant les Grammys. C'est si loin la famille. Je m'en fous encore de l'épaule gauche depuis le cercueil de mamie. J'avais la main sur le cœur, mais bon là je fais des modifs. Mais je fais des modifs. Yeah. Je fume dans le Uber, Paris est bouché. Ma mère part au taf quand je vais me coucher, j'ai honte. Ils me checkent de l'épaule mais ils sont touchés. J'utilise plusieurs fois dans mes morceaux pour mieux me cacher. Plus de juice, plus de concerts, plus de cachets. J'ai peu de temps les chants. C'est trop bien, le piano est magnifique. Et pour ceux qui connaissent pas Thuery, c'est également un chanteur. Quoi que les gens disent, ou même quoi que lui puisse dire sur son chant, moi qui réagis à énormément de rap français, je sais faire la différence entre un rappeur qui est aussi chanteur et un rappeur qui tente de chanter et de fredonner et de chantonner, tu vois.
Je suis désolé, quand j'ai découvert Thuery, au départ, je pensais que justement, il chantonnait. Mais à fur et à mesure que les chansons passaient, j'étais là, non, ce gars, c'est exactement ce qu'il fait. Il a une voix de chanteur, il chante, c'est un chanteur aussi. C'est un rappeur, d'abord, apparemment, mais c'est également un chanteur. Même on peur de m'appeler, alors je chante à mon nick et la trachée. Je crois en Dieu, mais le malin fait bien le job. On cherche l'amour dans des maisons closes. Oh non, la vie en rose, sauf que nos boissons sont mauves. Respecte mes devoirs. Ok, bon. Il y a un truc qui me dérange un petit peu avec Thuery. En fait, ça me dérange, mais pas vraiment. Laissez-moi vous expliquer. Lorsque je l'ai découvert, moi, directement, ça m'a sauté à l'œil et aux oreilles le fait que Thuery, je pense, hein, sincèrement, même si lui, il ne l'a jamais dit, s'inspire énormément de Kendrick Lamar, ou de ce que fait Kendrick Lamar, du style, qu'il soit visuel ou sonore, en fait, de Kendrick Lamar. Je ne l'ai jamais entendu le dire, en fait, dans ses entrevues, mais à mon avis, hein, c'est obligé qu'il s'inspire de lui et qu'il adore Kendrick Lamar. Parce que je reconnais le style de Kendrick Lamar chez Thuery. Ce changement de timbre de voix que Thuery fait, c'est Kendrick qui le fait très souvent et qui l'a commencé, tu vois. Je trouve que même dans les arrangements et les notes qu'il choisit, c'est à la Kendrick Lamar, man. Donc, voilà. Donc moi, ça me dérange un peu, mais ça me dérange pas parce que j'adore Kendrick Lamar, tu vois. Donc c'est genre, bro, faut pas trop copier non plus Kendrick. J'aime pour de vrai même quand ce sont des hoes. Surtout celles qui m'aiment alors que je suis broke. Respecte mes névroses et respecte les flows. Je sais que je suis dope et je suis dope et okidoki. Même leurs filles veulent que je les dope. Respecte mes névroses dans les jardins d'hiver comme Salvador. En tous les cas, Thuery, c'est ce qui fait, c'est ce qui se fait de mieux musicalement parlant. Si vous kiffez le rap, mais d'une qualité incroyable, quoi. Man, en tout cas, si vous appréciez aussi le rap américain de la West Coast, donc Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dre et tout, vous ne pouvez qu'apprécier Thuery parce que justement, je trouve qu'il s'inspire beaucoup de la West Coast. Tu fais la fête parce que nos canons dorment. C'est moi, j'ai compté mes faux pas, j'assume tout ça quand il faudra. Le temps me rappelle que je peux tout perdre d'un coup et le temps ne trompe pas. Tous mes souvenirs me paraissent loin, mais je suis pas devenu quelqu'un d'autre. J'ai moins d'amis, moins de frères qu'avant, j'ai un peu l'impression que c'est de ma faute. Elle m'avait prévenu, je prends jamais de nouvelles de l'ami, faut quitter ce soir. Je reste seul chez moi, j'ai ma matelle devenir un film de cul. Pourquoi je reste dans la tristesse, ça t'aimait mes streaming en refresh. Carrément c'est maladif, ce qui me complète est aussi ce qui me disperse. J'ai jamais eu peur de tout recommencer. Forcément un destin qui m'attend dans le monde entier. Voilà, la différence entre Thuery et Coelho. Thuery, quand il rappe et quand il chante, tu sens que c'est vraiment un artiste au fond de lui, quoi, que ça vient naturellement. Coelho, tu ressens le rappeur un peu lambda, on va dire, quoi. Et Coelho chantonne. Il ne chante pas. Tu ressens tellement l'autotune dans sa voix. Je veux dire, Thuery, quand il a chanté tout à l'heure, il y avait de l'autotune, mais on le ressentait à peine tellement il chante bien, tu vois. Mais Coelho, je l'entends super bien l'autotune, quoi. Lui, c'est un chantonneur. Et je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste, voilà, c'est ça les différences entre Thuery et Coelho. Mais là, je suis au chômage, nique sa mère, avoir un métier. Je suis à deux doigts d'acheter un fumigène et un kéfier. Maintenant, tout le monde fait du rap. Certains devraient pas. Ils ont cru que c'était des génies après un Eureka. Je vais nouveau crooner, la fenêtre ouverte. Réussir ou pas, frère, au chèque, on s'en remettra. Yeah. Je suis mort de peur, je fais comme si tout va bien. Je reste dans la ligue, même si on joue le maintien pour deux. Ouais, je préfère la voix de Coelho lorsqu'il rappe, hein, lorsqu'il chante. C'est trop. Ça sort du nez, en fait. Ça me dérange un petit peu. On boit trop souvent, le bonheur ça fait fuir. On veut s'envoler, on veut pas atterrir, ma gueule. Respecte mes névroses. Y'a pas de bon plan, y'a pas de bon rappeur ici. Je connais trop ma ville aussi, je tourne en rond. Respecte mes névroses. Mon petit cœur fait trop son Derrick Rose. Moi je suis bon qu'à parler de mes névroses. Mon petit cœur fait trop son Derrick Rose. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que Derrick Rose, c'est le joueur.
de la NBA, hein, qui il a été tradé à Memphis cette année-là. Mais bon, c'était une légende lorsqu'il était aux Chicago Bulls. Donc, je ne vois pas ce qu'il veut dire par cette phrase-là. Mais le son est très bon. Et je pense qu'il aurait été encore meilleur si la partie où Coelho avait chanté, qu'il aurait dû laisser Thuori chanter cette partie-là. À mon avis, hein, parce que franchement, son chant, ça le fait pas trop. J'aime bien Coelho. Hein. J'ai un son de Coelho dans mon phone, tellement... Enfin, c'est le son qu'il a chanté et qu'il a clippé dans la série Nouvelle École que j'adore. Quand Coelho fait du rap, vraiment du rap et rappé, qui fait pas des trucs trop mainstream, ça marche vraiment bien avec moi. C'est mon délire. Là, je trouve que c'était pas mal, mais ça c'est plus le style de Thuori en fait. Ça dit Coelho, Thuori, Ménévrose. À mon avis, ça aurait dû dire Thuori en featuring avec Coelho, Ménévrose. À mon avis, hein, parce que ça c'est vraiment un style à la Thuori et non pas à Coelho. Mais bon, c'est cool que Coelho s'essaye à plusieurs styles différents pour voir ce qui marche en fait. Ouais. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais j'ai beaucoup apprécié ce featuring entre ces deux artistes-là, même si je le trouve pas... C'est pas qu'il est pas cohérent, mais je pense pas que j'aurais mis Thuori et Coelho sur un son ensemble. Voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez kiffé cette vidéo, eh ben, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes réactions juste là-bas.